Allô ? On y était, quoi. C'est vrai, il y a eu des games plus amusantes que d'autres. Ah, pardon. J'ai ripé. On est dans la sauce, du coup. J'ai ripé. Ils ont cru que c'était un cricket. Sound design est très réaliste. Oh, drop, drop. Je me sacrifie. Qui tire Aïe. Non, il y a des gens qui tirent dessus. C'est pour vous. Alors que... Oui. C'est pour vous. Oh mon dieu, je meurs si vite car j'ai déjà décédé par le passé. On peut se mettre... Non mais regarde, j'ai la technique. Ouais, vas-y. Tout de suite, c'est très impressionnant, ne faites pas ça chez vous. Ah, mon nom. Putain, mais il y a vraiment deux salles, deux ambiances là. Et ils sont deux. Bon, voilà, c'est ton point. Qui a tiré? Oh, vous avez tiré. Mais y'a un mec à côté de moi! Encore, encore! Ah. Mais ma bite! Au secours! Au secours! Il est mort. Bravo, oui, c'est lui, bravo. C'est quoi ça? Ah, j'ai ri, qu'est-ce qu'on a ri? En fait, l'idée est bonne, mais elle est mal exécutée. Bon, j'y vais, hein. Très joli clic droit, en tout cas, c'était nécessaire. He's on fire. Boom shakalaka. Pourtant, ce reload était moche. Hein. Au secours, au secours, au secours. Hein? On est où, là? Je suis en prison. Spike posé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'avait jamais vu. C'était les deux kills les plus gratuits de l'histoire du jeu vidéo. Ok. Mes excuses à toute ma commune. J'espère qu'on m'en voudra pas. Je rêve où j'ai visé tout mais sauf à côté. Mais c'est à cause du clic droit qui nique ma sensie. Oh le cul. J'ai visé comme un cul. Si on avait planté une mitraillette dans un anus, elle aurait mieux visé que ça. Oh, ça a dû faire mal. Oh, attention. Je voulais passer sur le E et j'ai... Alors ça, si ça va pas dans une vidéo... Et c'est perdu. Donc le Captain Edition est un mode... plus dur que le jeu de base. Et on va découvrir tout ça en même temps. Hein. Je vous rappelle que ce stream inaugure, bon même si c'est FTL, donc c'est relatif, mais inaugure notre nouveau business model. Passion la journée, pognon le soir. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez une petite station équipée de centaines de drones de réparation. Vous recevez un message automatisé. Est-ce que j'ai un truc pourri? Allô? C'est dégueulasse. Nous ne savons pas qui vous êtes, et on s'en fiche un peu, à dire vrai. Mais si vous voulez réparer votre vaisseau, là, vous êtes au bon endroit. C'est horrible. Ok, Repair 10 damage, 10 damage for 20 ferrailles. Repair 5 damage for 10 ferrailles. Essayons d'en obtenir gratuitement, combattre la station. Ah! Non mais il a l'air d'avoir un gros lance-missile là. Non, je vais ignorer gentiment. Un petit vaisseau pirate vous envoie un message. C'est une bien belle bécane que vous possédez là. Vous tirez un coup de semon sur leur proue et ils répondent « Eh, pas besoin de violence, c'était juste un commentaire à YouTube. Quand j'ai dit que ta mère c'était une tepu, c'était juste pour rigoler. Prends pas tout personnellement. J'ai laissé un pouce bleu. » Qu'est-ce que c'est que ce truc hyper large? C'est quoi ce peigne? Non. Je ne veux pas en entendre parler. Faut que je fasse tomber le pilotage, hein. Ça me désole, mais... Magnifique. Non, aïe... Combien ? Une énorme explosion interrompt votre membre d'équipage. Vous avez poussé votre vaisseau à bout. Mais bordel de merde. Mais quoi ? Non ! Ok. Il a plus de vie, il reste un de vie, s'il vous plaît. Avant qu'il me renvoie la sauce. Avant qu'il m'envoie la sauce algérienne. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il a osé. Une salle vide, tout va bien, tout est sous contrôle. Non, saut imminent. Ah non. Quel cauchemar.
Quoi ? Alors que vous effectuez un vol de reconnaissance, l'ennemi lance soudainement un missile miniature depuis un compartiment caché dans le nez du vaisseau. Le projectile perce vos boucliers et votre coque, mais au lieu d'exploser, il déploie une unité holographique à bord. Une représentation holographique grossière du vaisseau automatisé est générée à l'intérieur de votre appareil et elle commence à attaquer votre équipage. C'est honteux ! Mais qu'est-ce... Ah oui d'accord, on le voit pas, c'est un petit fantôme de mort. J'en ai plein le cul, j'en ai plein le cul. Mais non mais ils vont crever. Ils vont quoi? J'en ai plein le cul. Hop. Oh non, ils ont le peigne. Oh là, faut faire tomber le peigne. Oh, Jean-Marie Le Peigne. Je sens que c'est la fin de cette partie. Aïe. Oh oui, oh, je m'en vais comme un prince. Non. Oh, Gouti! Et vous voudriez pas m'acheter des articles de luxe chez ces petits sacs Vuitton? 60 ferrailles. Ah, c'est pas les 150 de tout à l'heure, mais c'est d'accord. Bon, je vous préviens, il y aura peut-être pas mal de pauses parce que j'ai des petits problèmes intestinaux en ce moment. Il est possible qu'à certains moments du live, je fasse... Oh, j'arrive! Je reviens! C'est pas impossible. Je crois savoir pourquoi. J'avais subi une opération, une intervention sur ma vésicule. Et bon, j'étais dans les vapes et moi je suis sorti, j'arrivais à peine à marcher. Et je crois qu'on m'avait dit comme consigne, maintenant va falloir éviter de manger gras. Et c'est une consigne que j'ai assez peu respectée. Et là, mes deux derniers repas, c'était, on a fait des ramen. Et j'ai gardé le bouillon et je me suis refait des nouilles avec le bouillon du ramen. Et je me suis rendu compte que le bouillon du ramen, quand on le met au frigo et qu'on le ressort, c'est comme du sindou. C'est une masse critique qui ne se désolidarise pas. C'est comme de la pâte à prout. Donc je me suis dit que ça devait être bien gras quand même. Ça expliquerait pourquoi... Peut-être pourquoi j'ai mal au ventre. Ah oui, tenez. J'en profite pour vous le montrer. Comme ça. Comme ça, s'il y a 2-3 fachos, hop, il y a des fesses qui vont commencer à applaudir. Non mais c'est une belle offre en plus. C'est-à-dire que même si vous êtes raciste, c'est une belle offre. Honnêtement. Voilà. Je voulais vous parler évidemment du Bundle for Racial Justice and Equality de Itch.io. Itch.io qui est évidemment un site de distribution de choix pour énormément d'indés qui n'ont pas forcément les moyens et l'envie de se faire baiser par Steam. C'est 5$ minimum, vous pouvez donner plus pour des jeux d'une valeur de 7356$. Et surtout voilà, 1312, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que tous les jours, là, ils en rajoutent. Il y a des gens qui arrivent en mode « Ouais, mais foutez tous mes jeux, c'est cool. » Il y a Danny Baranowski, je l'ai vu aujourd'hui en mode « Hey, j'ai essayé de vous contacter pour vous filer toutes mes bandes son gratos. » Tout le monde y trouvera son compte, même les racistes. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. C'est pour la bonne cause. Alors ça, il faut pas trop leur en parler. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne affaire. Hein. Donc, du coup, il y a ce chemin qui reparle. Petite bifurcade. Sauf que cette bifurcade n'existe pas. You remember, there is no bifurcade. Ouais, voilà, là, c'est le moment où on arrive en ville pour sucer des boobs. Mais attendez, mais est-ce que là, ça serait la bifurcade? À moins que ce soit là, la bifurcade. Mais non, ça ne peut pas être là, parce que là, on a bifurcade. Mais ici, on n'a rien du tout. There is no bifurcade. El famoso arrête el bus. Comme on dit au Japon. Non mais j'en ai plein le huc. En fait, je vais être très franc avec vous. C'est que je pourrais me concentrer, mais je suis fatigué. Et moins je suis concentré, plus vous énervez. Et j'ai l'impression que toute cette émotion négative génère énormément d'argent. We have a bifurcade here. Ok, we have a bifurcade. Donc là, ici, j'ai mon fameux tournant de l'histoire. Là, je fais mon virage violent et je vais plein est. I go east and I see... Le bifurcade. El famoso bifurcade. J'avance comme Jaja. Et là, alors que c'est très proche, hein. I have another bifurcade. So, ok. Mais attends, mais il y avait vraiment une double bifurcade? Mais attendez, mais... Et putain, c'est parce que je suis aveugle. Ah, je comprends bien pourquoi l'autre, il disait que je suis mauvais. Vas-y, on le débat. Non, je déconne. Il a y crevé. Bah voilà, bah c'est bon. Bah voilà, on est là. Ok. 2 mètres. I got confused because of the bifurcades. Non mais ces VOD sont sympas, mais c'est comme les VOD de 4 heures sur d'autres jeux. Faudrait que j'emploie encore quelqu'un. C'est-à-dire vraiment pour que ma chaîne YouTube soit à perte. Moi j'ai envie de dire, ma chaîne YouTube c'est mon cadeau à la commu. Donc pourquoi pas employer quelqu'un encore à perte, une ou deux personnes, pour faire des montages très dynamiques. Je pousserai même le concept plus loin. Engager très cher et vraiment à perte un YouTuber talentueux qui ferait ses vidéos YouTube sur ma chaîne. Non mais il y a de l'idée quand même. On génère de l'emploi. Ça plaira à nos viewers racistes, par exemple, qui se sentent un peu mal d'avoir acheté le bundle, parce que là, ils se sont rendus compte que en fait, il y avait un tourloupe et qu'ils faisaient une bonne action. Salut YouTube, nous sommes avec la Mintos TV. Bonjour. S'apprête à vivre une enquête extraordinaire. Il n'a pas dormi, moi, j'ai failli m'endormir il y a 20 minutes, ça va être parfait. Oh.
Ah, c'est ces fameux jeux où ils décident de faire deux groupes de 1 pour mieux survivre. Alors Théodore, je suis je suis dans un près d'un sarcophage. J'ai comment dire aussi un sarcophage avec un espèce de levier à bout turgescent rouge. Un bout turgescent rouge. Gontran, vous êtes si simple d'esprit. Voulez-vous que j'appuie sur ce bout turgescent Attention, hein, les bouts rouges peuvent être synonymes de danger. Voulez-vous que je vous décrive les moult symboles que je vois au-dessus des divers sarcophages? Mon premier est un hameçon de pêcheur croisant une table d'hôte. Ouais, c'est clair, continuez. Mon deuxième est une fleur des plus printanières avec deux oreilles de chaton. Oui, je vois très bien, continuez. Mon troisième ressemble à une chaise de réalisateur. Oui, c'est clair, très bien. Mon quatrième est un chandelier des plus intrigants. Mon cinquième est... Et mon cinquième est un verre à vin avec un piercing digne des plus grands taureaux. Monseigneur, je vais tenter d'appuyer sur le levier. Messire, ça s'est ouvert! Oui, bon! Bravo, Gontran, je n'ai jamais douté! En Gontran, c'est tout à fait stupéfiant. Je suis dans une salle gigantesque et devant moi, une espèce d'énorme, je ne sais pas, carrousel de mes couilles avec un grimoire que je vais consulter immédiatement. Mais si, moi aussi, moi-même, ayant un grimoire, je vais faire de même. Alors, mon cher... C'est une langue que je ne sais point parler. Ah, de grâce! J'essaie de déchiffrer ces hiéroglyphes mystérieux. Alors, est-ce que vous avez bien des bougies sur la page de droite? Nous allons y arriver, j'en suis sûr. J'ai toujours cru aux capacités insoupçonnées de Gontran. Mais si, j'ai prestement 6 bougies. Oh, c'est parfait! Tout correspond, Gontran! Est-ce qu'elle forme un hexagone? Un hexagone, bien sûr, messire, désolé. Ah, très bien. Alors, Gontran... Bon, disons que par là où vous êtes entré, c'est le sud, et devant vous, c'est le nord. Enfin, j'imagine, quoi, merde. C'est cela, ouais. Écoutez-moi bien, Gontran. Il en va de notre survie à nous deux. Ou du moins de la mienne. Écoutez-moi bien. Il va falloir allumer en premier la bougie du sud. C'est fait, messire. Ensuite, vous allez procéder à la bougie qui serait au nord-est. Très bien, messire, je m'exécute. Et vous terminerez par celle à l'ouest. Enfin, la dernière, quoi, merde. Messire, je vais voir les deux fanions, mais les fanions se sont allumés. J'ai accès aux fanions. Messire, je peux choisir entre plusieurs symboles. Écoutez, je ne comprends rien à vos bilvesées de paysans, mais sachez que ce que je vois en face de moi sur ce fanion bleu ressemble un petit peu à un homard qui danse la musique Walk Like an Egyptian. Messire ? Oui ? Vos indications ne sont pas claires. Messire, je suis bloqué. Oh mon dieu, je suis à l'extérieur, Gontran, c'est magnifique. C'est vous que je vois au milieu en bas, là? Messire, je vous vois. Oui, incroyable, c'est vous. Ah, attendez, oui, je peux vous guider. Ok, attendez, stop. Guidez-moi. Ah oui, d'accord, continuez tout droit. Ouais, au final, c'est mytho. Pardon, continuez tout droit. Vous allez aller sur votre droite au fond, ensuite vous allez encore aller à droite, non, derrière vous. Revenez. Mais non. Oh là là. Ouais, refaites ce que vous avez fait, c'est parfait. Vous continuez, et sur vos droites, vous avez le centre et la dernière plaque. Bravo, Gontran. Bah, barrons-nous, sinon. Venez, Gontran. Oh. Alors, j'ai cru que c'était une scène automatique, donc j'ai pas bourré le haut. Tiens, il y a un levier. Que faites-vous, Gontran? J'ai activé un levier caché. Bravo. Pouvez-vous me renvoyer l'ascenseur, mon cher? Oui, bien sûr. C'est ouvert, du coup. Comment ça, c'est ouvert? Comment ça, c'est ouvert? Et moi? Tiens. Vous pouvez pas me laisser crever là-dedans. Non, pas tout ça pour ça, non. Merci, Gontran. Merci pour ces fiers services. Incroyable.